Rabotai, avec la permission d'Hachem, on voit dans la paracha de cette semaine, on attaque la paracha de la vérité. Moi, toujours, j'appelle la paracha des Avot Akdoshim, c'est la paracha de la vérité. Je me suis toujours posé une question sur cette paracha de Lech Lecha et de Ba'era. La question que je me suis posée, c'est que pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas donné à Abraham Avinu, à Alav Shalom, l'unisayon de la Brit Mila. Depuis le départ, je ne vois pas pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a fait les premiers nisyonot, les premières épreuves que Abraham Avinu a eues, c'est par exemple les épreuves de quitte ta terre, quitte ton pays. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas donné une épreuve de la Brit Mila? Et on n'a pas vu que Yitzhak Avinu, il a eu des épreuves plus tard, comme quoi Kadosh Baruch Hu a éprouvé Abraham Avinu. Et aussi, on n'a pas vu dans la Torah c'est pas écrit dans la Torah que Kadosh Baruch Hu a éprouvé Yaakov Avinu. Comme c'est écrit sur Abraham. Bémet, dans l'histoire d'Abraham, on voit combien Kadosh Baruch Hu il éprouve. Il lui dit par exemple, quitte ta terre. Il lui a pas dit où aller. C'est une grande épreuve. Par exemple, il lui dit, une fois qu'il est arrivé en Israël et que Abraham, il découvre la belle terre de Eretz Israël, il y a eu la famine. Alors, c'est quoi? C'est ça la terre que tu vas me donner? Il y a la famine. Alors, le pauvre, où il va aller? Il lui dit, va en Égypte. Quoi? Alors, ça veut dire que l'Égypte, c'est mieux qu'Israël. Ça veut dire que l'Égypte, c'est mieux qu'Israël. Il arrive en Égypte, une terre où il y a, à l'époque, ils volaient les femmes des autres. Je parle de à l'époque. Et la femme d'Abraham était très belle. Et encore voilà l'épreuve de la femme d'Abraham. Et voilà Pharaon, il prend sa femme. C'est vraiment. Et après, la paracha d'Akeda. Et quand je crois qu'il a éprouvé Abraham, après longtemps qu'il n'a pas eu des enfants, il lui donne un enfant. Et après, il lui dit, prends cet enfant et égorge-le. C'est des épreuves, hein, tout ça. C'est terrible. Mais, d'accord. Mais on n'a pas vu que c'est écrit, mamash, noir sur blanc, vers Elohim Nissa et Abraham. C'est écrit, vers Elohim Nissa et Abraham. C'est pas soi-disant que. Mais on n'a pas vu sur Yitzhak Avinu qui a été éprouvé. On n'a pas vu sur Abraham Avinu qui a été éprouvé. Yaakov Avinu. Qu'elle a été éprouvée. On n'a pas vu ça. C'est extraordinaire. On n'a pas vu. C'est des choses qu'on n'a pas vues. Alors, la question, elle se pose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Abraham seul, qu'il a eu ses épreuves? Pourquoi pas, Yitzhak et Yaakov? C'est pas écrit. Alors, j'ai pensé. Tout d'abord, il y a dans le livre de Avodat HaLevi, de Yitzhak, Bishagusef de Babit Shovalava Shalom, là-bas, j'ai vu une question qu'il pose. Il pose une très belle question. Il dit, comment est-ce possible que HaKadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lech Lecha Me'Artzecha, quitte la terre, mais après il lui dit, et en quittant ta terre, tu seras béni. Et je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui vont te maudire. Et en plus, il lui dit, Lech Lechas, c'est Gematria 100. Et c'est quoi 100? Il lui dit, à l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. Lech lecha, c'est gematria 100.
C'est-à-dire que lorsque tu as 100 ans, tu auras l'enfant. Effectivement, lorsque Abraham Abinu a eu 100 ans, il a eu un enfant, oui ou pas? Non, mais il pose une question à Pitzhak Alev et il dit, mais c'est vrai, si Akash Vachou, il aurait dit à Abraham, simplement, quitte cette terre et va à la terre que je vais te dire, sans qu'il lui dise, et tu seras béni, tu auras des enfants, et que celui qui te maudit sera maudit, alors ça peut être une épreuve. Mais le fait qu'il lui promet un enfant, et le fait qu'il lui dit que tous ceux qui te béniront, ils te seront bénis, et que tu vas à Gatla Shimcha, et tu vas être super, tu vas être renommé, et tu auras du succès. Donc l'épreuve, elle n'est pas une grande épreuve. C'est comme par exemple si je te dis, monsieur Abadi, si tu vas au Tchad, hein, ou tu vas au Ghana, ou tu vas en Australie, ou tu vas au l'île de l'Alaska, tu seras un milliardaire, et tu auras des enfants, et tu auras là-bas tous les juifs qui vont te suivre, et tu auras là-bas une grande yeshiva, mais qui ne va pas y aller? Hein? Mais c'est pas un Issaïon. C'est un Issaïon, si tu me dis va en Alaska sans rien. Là, c'est un Issaïon que je vais faire en Alaska. Quoi? Je vais devenir quoi là-bas? J'ai pas l'habitude. Je crains le froid. Il neige là-bas. Et je connais personne. J'ai pas de famille. Et j'ai personne. Chez qui je vais, avec qui je vais parler. Je connais pas la langue. Ça, c'est une épreuve. Mais si tu me dis que je vais être entouré des gens, et les gens vont me bénir, ils seront bénis, et je serai riche, et j'aurai des enfants, et je vais être renommé, et je vais devenir un roi, etc., etc. C'est pas une épreuve. Ça, c'est la question qu'il pose à Avodat HaLevi. Donc maintenant, on a deux questions. On a la question que j'ai posée. On n'a pas vu sur les Avot, à part Abraham, qu'ils ont été éprouvés. On a une autre question. Pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham de faire la Brit Mila depuis le départ, d'accord? Et la troisième question, c'est la question de Avodat HaLevi. Que l'épreuve que Hachem a éprouvée à Abraham de quitter son pays, c'est pas une grande épreuve. Elle aurait pu être importante s'il n'aurait pas dit ce qu'il lui a dit plus tard. Alors, moi, je pense comme ça. Je pense que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu que Abraham Avinu Alav Shalom, il soit le premier pilier pour les générations à venir. Il dit Lech Lecha. C'est quoi cette paracha qui s'appelle Lech Lecha? Deux fois Lech Lecha. Pourquoi l'autre il dit pas Lech Me'artzecha? C'est quoi Lech Lecha? Bon, Rashi dit Lehana'atra ou Tovatra. Bon, et c'est pas la peine. Akadosh Baruch Hu, il peut lui dire ça plus tard. Lehana'atra. C'est pourtant bien que tu vas partir. Mais pourquoi l'autre a dit Lech Lecha? Pourquoi l'autre n'a pas dit Stam Lech Me'artzecha? Pourquoi cette double langage de Lech Lecha? Je pense que Akadosh Baruch Hu veut dire à Abraham que si tu surmontes ces épreuves, alors ton plus grand intérêt que tu vas avoir, c'est que tes enfants, ils vont suivre. Si toi, Abraham, tu surmontes l'épreuve, les épreuves que je vais te donner, alors, l'Echa, ça veut dire tes descendants. Si toi, Abraham, tu surmontes, on dit, Ma'aseh Avot Siman Habanim. Si toi, Abraham, tu surmontes ces épreuves-là, alors les enfants, ils vont suivre. Donc, je pense que Abraham, Avinu Alav Shalom, il avait tout intérêt de surmonter cette épreuve-là. Maintenant, d'après la question de Avodat HaLevi, elle est monstre, elle est grandiose.
que d'après Avot, vous avez vu que cette épreuve n'était pas si puissante par rapport à ce qu'il a dit, Bagadat Shimcha. Alors, il faut que je vous explique une chose. C'est quoi le tachlit d'un tzaddik dans le monde? Le tachlit d'un tzaddik dans le monde, c'est d'élever le nom d'Hachem. C'est quoi moi ma satisfaction dans la vie? C'est quoi mon grand plaisir? Ben, mon grand plaisir, c'est que lorsque je vois des gens qui suivent le chemin d'Hachem, qui prient, qui font teshuva, lorsque je réussis à ramener des gens dans la teshuva, eh ben, je suis super content. Donc, je vois que des gens m'écoutent, ben, je suis très content. Lorsque, par exemple, une fois, je suis rentré dans une salle, il y avait des milliers de personnes, je vois que tout le monde s'est levé. Tout de suite, j'ai dit, tu vois, Hachem, ces gens-là, ils sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi. Parce que moi, ils sont venus pour écouter un cours de Torah. Et la Torah, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Ils sont venus pour toi. Ils sont pas venus pour moi. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, ils sont venus pour toi. Je pense que c'est ce que Kadosh Baruch Hu a voulu dire à Abraham Avinu. Lorsqu'il a dit, Bagadla Shemcha, je vais te donner une renommée et je vais agrandir ton nom. Akash Bahu, il a voulu lui dire, en agrandissant ton nom, les gens ils vont venir t'écouter. Et lorsque les gens ils vont venir t'écouter, c'est pas toi qu'ils vont venir écouter, ils vont venir m'écouter à moi. C'est pas à toi qu'ils vont servir, ils vont me servir à moi. Comme la Torah dit, Ve'et ha-nefesh asher asu b'haran, les âmes qu'ils ont fait à Haran. Les gens que Rachid dit que Abraham et Sarah, ils ont converti les hommes et les femmes. Pourquoi ils les ont convertis? Ils ne les ont pas convertis pour être des fans de Abraham et de Sarah. Ils ne les ont pas convertis pour être les hassidim de Abraham. Ils les ont convertis pour être sous l'égide de HaKadosh Baruch Hu. Alors, vous comprenez? Pour Abraham, Abino Alav Shalom, il avait une peur d'une chose. La peur qu'il avait, c'est que si par exemple, je quitte Haran, bon, je vais quitter Haran, j'écoute HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Je vais quitter Haran, je vais écouter HaKadosh Baruch Hu, c'est pas possible, on peut même pas imaginer que Abraham Avinu, il va faire le contraire de HaKadosh Baruch Hu, jamais d'avis. Donc la Torah dit plus tard, Abraham a fait comme que Hachem lui a dit, il est parti sans savoir où il va, il est parti dans l'aveuglette. Et qu'imaginez-vous, vous, monsieur Abadi, que je vous dis, demain prenez l'avion, et allez-y à l'aéroport et prenez l'avion. Vous allez me dire, pour aller où? Ben je vous dis, écoutez, vous allez, on verra. Ben, vous n'allez pas être convaincu. Vous allez me prendre pour un fou. Ou bien si je vous dis, monsieur Abadi, vous et votre femme et tous les copains qu'on connaît à Londres, on va aller où? Suivez-moi. Pour aller où? Mais pour aller où? Il faut aller quelque part. Et je vous dirai, mais vous allez me dire, je m'excuse, même si c'est, je sais pas moi, même si c'est un grand rabbin vous le dit, même si c'est Rabbi Haïm Pito, vous allez poser la question, pour aller où? Abraham a pu dire à Hachem, il aurait pu dire à Hachem, pour aller où? Mais il n'a pas posé la question. C'est ça, le hénien de Abraham Abino. Ce que jamais il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Ou où? Abraham, il a accepté les ordres d'Hachem textuels, tels qu'ils sont, sans se poser de questions. Maintenant, il y a un problème. Abraham, il est content, il va aller. Mais à Kadosh Baruch Hu, jamais il donne une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. Cette épreuve de quitter Haran, à mon avis, c'est une grande épreuve. C'est pas une petite épreuve. C'est une très grande épreuve. Pourquoi? Parce que Haran, il a mené la guerre contre Nimrod.
Nimrod, celui qui a fait révolter le monde entier contre Dieu. Vous vous rendez compte qu'Abraham a pu dans la Shalom, il est arrivé à une réussite contre Nimrod. Contre Nimrod. Ah, maintenant, bien sûr, c'est pas tout le monde qui l'a écouté, mais il a fait des gens. Il a rendu les gens Bitchouba. Quelque part, il a réussi à Haran. Il a réussi à Haran. Vous savez, quelqu'un qui réussit quelque part, étudier, vient dans un autre endroit, il va te dire, mais je suis bien là, mais j'ai tout là. Là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi à rendre les gens dans la Teshuva. Là, j'ai réussi. Akadosh Baruch Hu lui dit, Abraham, il lui donne, écoutez très bien, voilà où était l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham était grande. Pourquoi ? Parce que d'un côté, Akash ne lui dit pas où il va aller. Il ne lui dit pas où il va aller. D'autre côté, Akash me dit à Abraham, et tu seras béni. Tu seras béni. Tout le monde va te bénir. Vagat la Shemra. Maintenant, Abraham, il écoute ces belles phrases. Et ceux qui t'insultent, je l'insulte. Et ceux qui te maudit, je le maudis. Et ceux qui te fait Abraham, je le bénis. Mais toi, Abraham, il écoute cette belle phrase. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, il veut voir la réaction d'Abraham. Qu'est-ce que va être la réaction d'Abraham? Parce que d'un côté, il lui fait une épreuve, que s'il la résiste, tous ses descendants vont résister les épreuves. Mais d'autre côté, à côté de l'épreuve, il y a ce qu'on appelle des plaisirs. Donc ces plaisirs qui est à côté de l'épreuve, ça risque d'éliminer l'épreuve. Parce qu'il y a des plaisirs à côté de l'épreuve. Les brachot, les bénédictions, les malédictions, la richesse, les enfants, etc., etc., etc. Il y a à côté de tout ça. Ah, mais t'écoute très bien. Quand je vois au roux, il voit c'est quoi la réaction d'Abraham. Est-ce qu'Abraham, il va aller à Haran, de Haran, en Eretz Israël, à cause de le tzivoui que Hachem lui a dit de quitter Haran, et mettre de côté tous les plaisirs qui sont à côté, d'accord? Ou bien Abraham, il va quitter Haran pour aller en Israël par rapport à tous les plaisirs que Hachem va lui donner. Vous comprenez? Alors c'est ça l'épreuve qu'Akash Borou il a éprouvé Abraham. Mais de l'autre côté, il y a une chose extraordinaire. Qu'Akash Borou, il ne peut jamais donner une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. Parce que l'épreuve de quitter Haran, c'est une grande épreuve. Mais à côté de cette épreuve, quand je me dis Abraham, mais tu sais Abraham, que je sais c'est une grande épreuve. Mais de l'autre côté, à côté de l'épreuve, il y a beaucoup de choses. Il y a des brachot, etc., etc., etc. Mais toutes ces choses-là, ils sont où que Abraham il va accepter tous ces plaisirs pour lui, ou bien Abraham va dire, eh ben, Hachem, s'il va agrandir mon nom, c'est le nom d'Hachem qui va être agrandi. Celui qui va m'insulter, c'est Hachem qui va être insulté. Celui qui me bénit, c'est Hachem qui va être béni. Par exemple, lorsqu'on bénit un tzaddik, automatiquement on bénit un Kadosh Baruch Hu aussi. Oui ou pas? Lorsqu'on mondia un tzaddik, c'est comme si on mondia un Kadosh Baruch Hu, Hazu Shalom. Regardez la bouteille. Regardez mes amis. Lorsque Korah et Adato, Korah et ses copains, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que la Torah a dit? Anno Adim al Hashem. Et ils se sont révoltés contre Kadosh Baruch Hu. Anno qui se révolte sur un tzaddik, c'est sur Hashem qui se révolte. C'est pas sur Hashem. Et Anno qui est béni un tzaddik, comme s'il bénit à Kadosh Baruch Hu.
Alors ça veut dire que quelque part, quand je me redis à Abraham, Abino Abraham, d'un côté je sais que c'est une grande épreuve de quitter chez toi. Mais de l'autre côté, en quittant chez toi, il va y avoir des choses qui vont se passer. Parce que lorsque les gens vont te bénir, c'est moi qui reçois la bracha. Lorsque je vais élever ton nom, c'est mon nom qui va être élevé. Lorsque quelqu'un, et si tu es un enfant, cet enfant-là, il va me servir à moi. Comme ce que la Torah a dit, qu'il a actif le mari de sa paix, harav. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ah, hein? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, l'épreuve qu'il donne à Abraham de quitter quelque part où il a tout, il est quelque part, mais il a tout. Alors quelque part, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il propose à Abraham Abino quelque chose qu'il a déjà. Qu'est-ce qu'il propose à Abraham Abino? Il propose des enfants. D'accord? Bon, les enfants, il peut adopter. D'accord? Et en plus, les gens qu'il a mis dans le cheval, c'est comme ses enfants. D'accord. Akadosh Baruch Hu, il propose à Abraham quoi? Il propose à Abraham, je vais élever ton nom. Son nom, déjà, il est élevé. Tout le monde parle que d'Abraham à Haran. Alors quoi? Il propose que celui qui le bénit, il sera béni. Et tout le monde est béni déjà. Et celui qui le maudit, il est maudit déjà. Alors, qu'est-ce que Akash Baruch Hu Bémet propose à Abraham? Bémet, vous comprenez? Tout se passe au clair. Hein? Ça veut dire que Akash Baruch Hu, il dit rien de nouveau. Mais tout à l'heure, on a essayé d'expliquer que peut-être il y a eu du nouveau dans cette épreuve. Et maintenant, on est en train de voir que Bémet, tout ce qu'Akash Baruch Hu est en train de dire à Abraham, il n'y a rien de nouveau. De tous ces bons plaisirs qu'il lui propose, il les a déjà à Haran. Donc la preuve, elle reste. La preuve de l'Ech Lecha, elle devient très forte. Mais on comprend très bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné à Abraham Abinu Alav Shalom une mitzvah, la mitzvah de Brit Mila, tout de suite, qui commence. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, déjà, parce que s'il fait la Brit Mila, toutes les épreuves, elles vont être faciles à faire. Parce qu'il a fait une brite avec Akadosh Baruch Hu. Il va se sentir obligé. C'est comme par exemple si moi je fais une alliance avec toi. D'accord? Si je fais une alliance avec toi, je suis obligé de... Je me sens engagé. Oui ou pas? Et toi aussi, tu te sens engagé vis-à-vis de moi. Oui ou pas? Regardez, si la France... Si, voilà. Alors c'est la raison pourquoi quand je vois qu'il n'a pas voulu faire la brite avec Abraham Apilo, parce que s'il fait avec une brite, alors toutes les épreuves qu'il va lui faire, il est obligé de les faire. Par rapport, c'est une obligation, il est obligé de les faire. C'est de la folie, ça. C'est bon. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Abraham Abino Alva Shalom, il subit les épreuves sans qu'il soit engagé. Sans qu'il soit obligé de la faire. Vous avez compris? Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Abraham Abino Alva Shalom, il soit autonome. Ça veut dire que Abraham, il n'a aucune bride avec Akadosh Baruch Hu. Il peut dire Akadosh Baruch Hu, non. Mais il a dit Akadosh Baruch Hu, il ne s'est même pas posé la question. Et de là, on voit l'amour qu'Abraham portait à Akadosh Baruch Hu. Si, avant qu'il ait fait la bride avec Akadosh Baruch Hu, il écoutait Akadosh Baruch Hu, et il aimait Akadosh Baruch Hu, il ne se posait pas de questions. Alors vous imaginez s'il aurait fait la brite avec Akadosh Baruch Hu, combien il aurait été engagé? Il aurait fait encore plus. Il aurait fait encore, peut-être, il aurait fait encore plus. Mais peut-être, il aurait fait
il aurait fait par rapport à l'engagement. Mais là, on voit que tout ce qu'Abraham il fait, ben, c'est pour ça, ces épreuves que la Torah nous écrit avant qu'elle a fait Brit Mila, ils sont tellement très importantes. Ils sont très importants, ils sont très grands ces épreuves-là, parce qu'ils nous montrent combien Abraham a bien nous. Quand par exemple, regarde, il aimait à Kajro. Regardez par exemple l'épreuve par exemple de. Il arrive en Israël, Abraham, et il y a la sécheresse. Et Hachem lui dit, Abraham, va en Égypte. Abraham lui aurait pu dire à Kajro, quoi, tu me déranges de Haram pour venir en Israël? Et tu me dis, c'est la terre la plus belle qu'il y a. Et j'arrive en Israël, et qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'il n'y a pas à manger, il faut aller en Israël. Il faut aller en Égypte. C'est ça Israël. Vous comprenez? Ouais, il aurait pu dire ça à Kadosh Baruch Hu. Mais là, regardez. Mettons, si Hachem, il aurait fait le brit avec Abraham Avinu, il aurait dit, fais la circoncision, on fait le brit. Et après, Abraham lui dit, Abraham, va en Égypte. Ben, Abraham va être obligé d'aller en Égypte. Pourquoi? Par rapport à la bride qu'il a fait avec lui. Mais maintenant qu'il n'y a aucune alliance entre les deux, et malgré tout, il descend en Égypte, ça prouve qu'il aimait Akadosh Baruch Hu. Maintenant, toutes les questions, il s'est répondu. La question qu'on a posée sur Abraham, Abinou, Alavachem, pourquoi il n'a pas fait le bride, Mila, au départ, pourquoi Hachem n'a pas fait la bride, Mila, on l'a répondu. Qu'est-ce qu'on a répondu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu mettre Abraham dans les épreuves. Et s'il aurait fait avec lui une alliance, alors Abraham, il aurait respecté les épreuves par rapport à l'alliance et non pas par rapport à l'amour qu'il porte à Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Là, on peut dire que Bémet, il aime, il a respecté, il a surmonté les épreuves par rapport à l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça la réponse. Mettons la deuxième question de Avodat HaLevi. Comment Abraham Avinu Alav HaShalom, comment on peut savoir qu'Abraham, pour que l'épreuve de Lech Lecha soit une épreuve importante, cette épreuve de quitte la ville de Haran pour qu'elle soit une grande épreuve, c'est à Kachro, il ne lui met pas à côté de ces épreuves-là les brachot, oui ou pas? Et le fait qu'il a mis à côté de lui les brachot, donc c'est pas une grande épreuve. Mais donc, qu'est-ce qu'on a répondu à cette question? On dit non, justement, Abraham, il aurait pu dire à Kachro, Abraham aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, mais toutes ces bénédictions que tu me dis, que tous ces bonheurs que je vais avoir en quittant Haran, je les ai déjà ici en Haran. Qu'est-ce que tu me dis? Que si je quitte Haran, je vais avoir des enfants? Mais j'ai des enfants. J'ai adopté plein d'enfants. Comme c'est écrit, Matan Efe, Chachar, Azobe, Haran. Quoi d'autre? La richesse? Je l'ai. Quoi d'autre? Le Shem? Je l'ai. Quoi d'autre? celui qui me maudit, les maudits? Je l'ai. Alors, qu'est-ce que tu m'ajoutes? Donc, on voit que ce que Hachem il a ajouté en plus à Abraham, ça ne fait que augmenter l'épreuve. Abraham, Hachem, il a augmenté l'épreuve en lui disant, Ve'agat Hashem Krap, etc., 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 etc. Et de plus que Abraham, tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait que pour Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ve'agat Hashem Krap, etc., etc. Abraham, il fallait dire à Akadosh Baruch Hu, mais si mon nom il a grandi, c'est ton nom qui a grandi. Et ça, je suis en train de le faire ici. Tout ce que tu m'as dit de faire, je le fais. Donc, qu'est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu? Il aurait pu dire tout ça à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est une supposition. Il aurait pu dire, il n'a rien dit. Et bien sûr, la belle question qu'on a posée au départ, c'est que pourquoi on n'a pas vu que Kadosh Baruch Hu, il a pas éprouvé les Avot Akdoshim. On a vu que c'est Yitzhak, on a vu que Abraham seul, il a subi des épreuves, mais on n'a pas vu que Abraham, et Yitzhak et Yaakov ont subi des épreuves, et c'est pas écrit Bichla dans la Torah. Et bien, la réponse, elle est, sache que Hachem dit à Abraham, Lech Lecha. C'est-à-dire que Lech Lecha, si tu respectes ces épreuves-là, c'est même pas la peine que j'éprouve les Avot Akdoshim, tes enfants, parce que si toi tu les surmontes, eux aussi vont les surmonter. Ma'ase avot, simalabanim. Alors il dit voilà, Akash Baruch d'un côté, il donne une épreuve à Abraham, et de l'épreuve qu'il donne à Abraham, toi, Israël, il est éprouvé.
C'est-à-dire que si toi, Abraham, tu surmontes cette épreuve, alors si ces épreuves-là, ils arrivent chez tes enfants, eh bien, ils vont les respecter. Ils vont les surmonter. D'ailleurs, n'oublie pas une chose qu'on dit, Rebégolé ne me comptera. Et où? Ben, il faut chercher. On voit des gens qui cherchent. C'est ce que je vous dis, Abraham. Abraham, ici, à Haran, tu es arrivé à un niveau extraordinaire. Mais toi, cherche où tu peux progresser. Cherche où aller mieux. Et comment? Galoute. Galoute. Et végolé l'imkantora. Vous avez compris? Et végolé l'imkantora. Maintenant, il faut que tu t'exiles de chez toi, de ta maison, de ta ville, de ton pays, à l'endroit que je vais te dire un jour. Et on sait très bien que le galout, l'exil, tous ces tzaddikim qui sont devenus des grands tzaddikim, c'est par rapport à l'exil. Ils se sont exilés. Mais haïl el haïl, lech lecha. Mais haïl el haïl. Donc maintenant, on comprend très bien maintenant la paracha de. Cette belle paracha de. La plus belle, la belle paracha de Vaera. Cette belle paracha de Vaera, où la Torah là-bas, elle nous donne. Où la Torah. Allô? Où la Torah là-bas, elle nous parle du sacrifice. Je vous donne la parole d'honneur. Chaque fois que j'arrive à la paracha du sacrifice de Yitzhak, je pleure. Je pleure. Chaque matin, j'ai comme j'ai comme des je suis mitragesh. Comment on dit en hébreu je suis émotionné. Mitragesh, émotionné. J'ai des émotions terribles. Je vois comment Abraham Avinu alav shalom. Il prend son fils, il l'attache. Et le fils, il dit à son père, attache-moi bien fort pour ne pas que je bouge. C'est une épreuve pour Abraham. C'est une épreuve pour Yitzhak aussi. Parce que Yitzhak, il sait qu'il est patriarche. Il sait que de lui va sortir Yaakov. Et maintenant, il va sacrifier. Dis-moi qui? Megalabad dit, lorsque Abraham Abinu, il a sacrifié son fils, c'est pas avec son fils qu'il a sacrifié. Il a sacrifié tous les Neshamot d'Am Israël qui sont sur lui. Lorsque Yitzhak a été sacrifié, c'est comme s'il a sacrifié Yaakov. Et si Yaakov a été sacrifié, c'est comme si lui a sacrifié Shvatim. Vous avez pensé à ça ou pas? C'est tout Am Israël qui a été sacrifié avec Yitzhak. C'est-à-dire qu'Abraham a bien sacrifié tout le clan d'Israël pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un jour il a dit à Abraham, Abraham, arrête. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est. Maintenant, lorsqu'on voit des Juifs qui se sacrifient pour Hachem, parce qu'ils se sont déjà sacrifiés une fois. Vous n'avez pas vu qu'il y a deux fois dans la Torah Lech Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha, que Hashem il a dit à Abraham. Lorsqu'il a dit quitte, quitte Haran pour aller en Eretz Israël, et après il a dit Lech Lecha, Eretz Amoria. Deux fois dans la... Pourquoi ici Lech Lecha, ici Lech Lecha? De la première Lech Lecha, quitte ta terre, Rachid dit, Léana Atra pour ton bien. Mais dans Lech Lecha, lorsque Rachid a dit à Abraham, prends ton fils à Har HaMoriah et sacrifie-le, là-bas Rachid dit pas Léana Atra. Alors quelle différence? Dans le Lech Lecha, que Rachid a dit à Abraham, quitte ton pays, c'est pour son bien. Et lorsqu'il lui a dit, sacrifie ton fils,
Rachid dit pas que c'est pour ton bien. Et pourtant, c'est les mêmes phrases. C'est lech lecha. Alors pourquoi le lech lecha le lech lecha qui a été dit de la paracha lech lecha, quitte ton pays, ta ville, ta maison, ça c'est pour ton bien. Si tu fais ça, c'est ton bien. Mais lorsqu'il lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le, et là-bas aussi s'écrit lech lecha, là-bas on dit pas que c'est pour ton bien. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un grand sacrifice. Là-bas, il ne peut pas lui dire à Hachem, c'est pour ton bien. Quel bien? Il est en train de sacrifier son fils. Tu comprends? Là-bas, il a dit, lech lecha, tu vas avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Mais ici, quel bien il va sortir de ce sacrifice-là? Il va sacrifier, en sacrifiant Yitzhak, il est en train de sacrifier toi, Israël. Vous comprenez? Et là, c'était un grand test. Là, c'était vraiment un test énorme, le sacrifice de la Hakeda. Un sacrifice terrible. Un sacrifice qui pouvait avoir un doute de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans le premier Lech Lecha, Kadosh Baruch Hu lui dit, va pour ton bien, tu vas avoir un enfant, et tu vas être, et je te donne, et je te donne. Et maintenant, de ce Lech Lecha de maintenant, quel bien, cet enfant qui m'a promis il y a presque une soixantaine d'années, il est en train de me dire maintenant de sacrifier. C'est quoi où est mon bien? Vous comprenez? Une seconde, vous comprenez ce que je dis là? C'est de la folie ça. C'est chaque fois que j'arrive là, je suis émotionné. Mais écoute-moi. Abraham, Abinu Alav Shalom, malgré tout, il a dit, bon, peut-être c'est ça le but d'Hachem, peut-être c'est ça la Kavana de HaKadosh Baruch Hu. La Kavana de HaKadosh Baruch Hu, qui m'a dit la première fois, Lech Lecha, vas-y pour ton bien, c'est pour avoir un enfant à l'âge de 100 ans, et après, et c'est quoi vraiment mon bien, mon plaisir, c'est qu'il va me demander de sacrifier. Et en le sacrifiant, je vais sacrifier avec lui tous les bénis d'Israël qui vont sortir de lui. Et comme c'est toi, Israël, il s'est sacrifié pour HaKadosh Baruch Hu. C'est la folie. Vous comprenez où Abraham a pu arriver? Alors HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu cette marchava d'Abraham, là, il lui a dit, tu sais Abraham, parce que tu as fait ça, alors chaque fois que les Juifs vont fauter, je vais leur pardonner par rapport au sacrifice qu'ils ont fait aujourd'hui. Lorsqu'un homme fait l'avera, c'est quoi ça, sa punition? Condamné à mort. Oui ou pas? Un monsieur qui se révolte contre un roi, c'est quoi sa punition? Il est condamné à mort, oui ou pas? Parce qu'il s'est révolté contre le roi. Alors quelqu'un qui se révolte contre un Kadosh, alors il est condamné à mort. Mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il ne le tue pas. Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne à Rosh Hashanah. Il lui dit, il te donnait que Abraham Avinu, il t'a déjà sacrifié, alors je considère ce sacrifice qu'il t'a fait comme un pardon pour la faute que tu as fait, et je te pardonne. Donc Kadosh Baruch Hu, il renouvelle chaque année le pardon par rapport à Abraham Avinu. C'est-à-dire que Akash Bokhu le Mafreya, Akash Bokhu, il considère que la faute que tu as fait, ça y est, tu as déjà été puni pour cette faute-là. Et Akash Bokhu te pardonne. Par rapport à Abraham Abino. Alav Shalom. C'est de la folie. Ça veut dire que les Mafreya, on a déjà payé. Ça veut dire que si maintenant j'ai fauté, et je suis condamné à mort, Akash Bokhu me pardonne à Rosh Hashanah. Pourquoi? Par rapport au sacrifice qu'il m'a fait Abraham Avinu. Il m'a sacrifié. Comment il m'a sacrifié? En sacrifiant Yitzhak, il a voulu sacrifier là-bas, il a sacrifié toi, Israël. Et c'est ça, comme ça, Abraham, il a dit, peut-être que Hachem m'a dit, une fois, lech lecha, me'artzeacha, la'anachato, vatra, vas-y pour ton bien, de ta terre, pour ton bien, peut-être c'est quoi mon bien? C'est d'avoir un enfant, et que après il va me demander de sacrifier,
et en le sacrifiant, on se fait sacrifier avec lui tout à Israël. C'est ça. C'est peut-être c'est ça. Donc il est parti faire ça avec joie. Avec joie. Mais Mitzhak, il a compris comme ça. C'est-à-dire qu'il a compris, Hachem, il veut que je suis sacrifice. Et pourtant, quand je l'ai dit à mon père, que de moi, qui vise Hakere Chazara, que de moi, le peuple juif va sortir. Bon, le peuple juif va sortir, mais maintenant Hachem, il décide que le peuple juif qui va sortir de moi, il veut qu'ils soient tous sacrifiés pour lui maintenant. On accepte. Maintenant. C'est extraordinaire. On voit que la Torah, elle donne beaucoup des éloges à Abraham Avinu, à Noah. Et la Torah ne donne pas des éloges ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Et bien, je pense que c'est ça leur grandeur. Eux, ils ne cherchaient pas des éloges. À l'époque de Noah, Hachem, il avait besoin de donner un peu des éloges à Noah. Et devant lui, et sans lui. Il avait besoin de donner des éloges à Noah pour le renforcer. Abraham Avinu Alva Shalom, il a dit Anochi Ava Ba'efer. Et lui, et si lui il a dit Anochi Ava Yitzhak, il s'est sacrifié pour Hachem. Et regarde toutes les souffrances de Yaakov. Yaakov Ishtam Yishevo Alim. La plus belle éloge qu'on peut donner sur quelqu'un, si je veux dire celui Stam Ben Torah. Voilà, Yaakov, Ishtam Yishevo Alim. Quel éloge, super éloge. Yaakov, Ishtam Yishevo Alim. D'accord? Voilà mon fils.